Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster de Tortue Ninja et de Five Nights at Freddy's. Alors c'est la collection Mymoji, je sais pas si vous connaissez. Ça représente des emojis de séries animées ou de jeux vidéo, ça dépend. Donc Tortue Ninja c'est un dessin animé ou comics américain, vraiment génial. Je l'adore et donc ça c'est le petit sachet. Donc on a les personnages et par visage on a différentes expressions. Voilà, donc ça c'est les quatre personnages principaux. Je sais pas si on aura d'autres à l'intérieur. Et ça c'est le jeu vidéo Five Nights at Freddy's. Donc j'ai jamais joué à ce jeu, mais on me l'a conseillé plusieurs fois. Un jour il faudrait que j'essaye. Et j'adore les personnages, le design, ils sont vraiment trop cute. Voilà, donc là il y en a plein de différents, j'ai hâte de les ouvrir. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre d'ouverture, j'en ferai d'autres. Allez, on va commencer par celui-là. Waouh, trop beau. Eh mais ils sont vraiment très bien faits. Alors c'est dur, hein, c'est rigide. C'est pas un squishy. C'est vraiment sympa. Donc là on peut le poser hein, pour pas que ça roule. Là c'est plus plat. Donc là en fait c'est un petit smiley un peu rageux on va dire. Voilà. Donc ça c'est Leonardo il me semble. Après pour eux je ne connais pas du tout les noms. Donc je ne pourrais pas vous dire mais vous connaissez je pense. Vous pouvez me le dire en commentaire. Oh. Oh, il est sympa celui-là, on aurait dit un pirate. Donc lui, il a un grand sourire. Et franchement, la finition, comme vous pouvez le voir, est géniale. Elle est juste parfaite. Moi, j'imaginais pas hein, que c'était aussi détaillé. Voilà. Donc très sympa celui-là. Alors, je sais même pas l'animal. Alors, mettez-moi en commentaire. Ça ressemble à un loup, je sais pas, un coyote. Allez, Tortue Ninja. Alors, n'espérons pas avoir trop de double hein, quand même. Qui est oh, trop fort, c'est comment il s'appelle? Ah, alors son nom c'est Splinter, je m'en rappelais pas, mais j'ai regardé sur internet. Donc, ça c'est le maître des Tortues Ninja. Il regarde sur le côté, il est vraiment très bien fait. Donc, c'est un rat. Voilà, donc je vais mettre les Tortues Ninja ensemble. Alors, j'ai essayé de regarder les noms des personnages en même temps, comme ça bah, je m'informe. Alors, lui c'est un renard, il me semble, c'est Foxy qui s'appelle. Voilà. J'ai regardé sur internet. Allez, j'ouvre un deuxième Five Nights at Freddy's. Alors, mettez en commentaire aussi si vous jouez à ce jeu. Oh, trop mignon. Alors, il me semble que c'est encore un renard. Mais c'est une fille. C'est Foxy au féminin. Il me semble. Hein. Je sais pas si je me trompe ou pas. Allez, allez Tortue Ninja. Waouh, trop bien. C'est Bebop. Lui, c'est un méchant, c'est un sanglier. Il est hyper bien fait, il a son petit piercing ici. Ici aussi, il a sa crête. Il est génial. Ah, j'adore. Oh, c'est le petit nounou. Il est trop mignon avec son petit chapeau de forme. Il fait un clin d'œil. Ils ont l'air super gentils, mais je pense qu'ils sont pas gentils en plus. Voilà, ils sont trop cute. Ah, premier double ou il a une autre expression. Ah, il a une autre expression, génial. Regardez, un peu plus énervé. Ah bah c'est bien que j'ai pas en double. Sinon ils sont similaires, il y a juste l'expression des yeux. Oh oui. Expression différente. Ah, je l'aime bien comme ça, il est tout marrant. Alors il y a les yeux qui changent et aussi la bouche. Ah, c'est très sympa. Oui, un autre. Waouh. Michelangelo. Avec un gros sourire. J'aimerais bien voir les quatre tortues quand même. Mais il est très sympa celui-là. Ah, je pense que ça... Ah non, c'est pas un double. Ah, mais il y a combien différents? Regardez. Alors lui, je sais pas, c'est quoi cette expression un peu endormi, je dirais. Moi, celle que je préfère, c'est quand même celle du milieu. Ouais, il est trop sympa.
Encore Michel-Ange. Ah, qui tire la langue. Michel-Angelo qui tire la langue. Je vous montre les deux. Oui, ils sont bien différents du coup, comme ça. Ah, j'adore. C'est trop mignon. J'ai envie d'en acheter d'autres. Mettez-le en commentaire si vous voulez que je refasse le même type d'ouverture avec ces deux séries. Ou avec d'autres. Mettez-le en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Et le dernier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh! Mais il est trop bizarre, ce personnage. Il est tout rond, il n'a pas d'oreille. On m'a dit une poupée, en fait. Alors, j'ai regardé son nom, c'est Puppet. C'est The Puppet, donc la marionnette. Bah oui, ça lui va bien, c'est une petite marionnette. Voilà. Je vous fais un petit récap de ce que j'ai eu aujourd'hui avec un zoom, comme ça vous les voyez en détail. Alors, mettez-moi surtout en commentaire votre préféré de chaque série. Alors moi, si je devais choisir dans cette série, j'aime beaucoup Bebop, version normale, comme ça, je l'adore. Et dans celle-ci, je dirais celui-là. Et surtout, mettez-moi en commentaire, quelle est votre préférée série entre les deux? Est-ce que vous préférez que je fasse des openings Tortue Ninja, ou Five Nights at Freddy's, ou les deux en même temps, ou d'autres séries? Il y en a d'autres, hein. Donc mettez en commentaire ce que vous préférez. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter et Instagram pour voir les photos de plus près. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein d'openings de boosters. Merci d'avoir regardé. Salut!